Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme on peut le constater sur la map, les cours n'évoluent pas énormément. Le Bitcoin reste sur ses niveaux hauts entre les 19 000 environ 200 et les 19 500 depuis dimanche dernier. Je ne manquerai pas évidemment d'analyser le marché lorsqu'il y aura du mouvement. Si vous me découvrez aujourd'hui, vous pouvez jeter un œil directement à mes vidéos d'analyse que j'ai fait hier et avant-hier, et vous aurez un petit peu ma vision du marché et vous verrez un petit peu ce que je pense et quelle direction on pourrait potentiellement prendre. Cependant, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos consacrées au trading. Sur cette série de vidéos, on va voir ensemble la notion de trading, les différents types de trading possibles, les plateformes que l'on peut utiliser. On va voir un petit peu quels sont les avantages de trader sur des contrats dérivés. On va voir comment trader avec du levier finalement et quels sont les risques qui y sont associés. On va regarder un petit peu la notion de risk management. Et enfin, pour finir, je vous ferai un exemple concret. Je vais faire un petit trade avec vous. C'est vraiment une vidéo d'introduction du trading. Et par la suite, sur les autres vidéos, une fois que toutes ces notions seront abordées, je regarderai les graphiques avec vous et je vous montrerai comment je prends mes décisions. Dans cette vidéo, vous le verrez probablement en fin de vidéo, je vais vous montrer un tableau que j'utilise moi pour faire du trading sur les contrats dérivés quand j'ajoute des leviers, etc. C'est un tableau qui m'aide et finalement et qui permet simplement de pouvoir prendre mes trades en toute sécurité. Je vous le partagerai si vous me le demandez par mail. Ce tableau sera complètement gratuit. En revanche, si vous voulez trader, donc je vais faire tout cet exemple sur la plateforme Binance, je parlerai un petit peu des autres plateformes qui existent, mais moi je vais faire l'exemple sur Binance. Vous allez donc avoir une partie de Binance qui s'appelle Binance Futur, et vous allez pouvoir ajouter un code de parrainage si vous n'y avez jamais été sur Binance Futur. Et moi je vais vous passer finalement mon code de parrainage, et pour ceux qui n'ont pas de compte Binance, il y a aussi également mon lien de parrainage en description. Donc comme je le dis, ce tableau est gratuit. En revanche, si vous voulez un petit peu participer et contribuer pour que la chaîne puisse perdurer et soutenir mon travail, vous pouvez passer par mes liens de parrainage. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Alors, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche. J'ai dit ça un petit peu dans le désordre, mais peu importe, c'est important, ça me permet un petit peu de référencer mes vidéos et gagner un petit peu plus d'abonnés. C'est encore une nouvelle chaîne, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de vous pour pouvoir continuer et durer dans le temps. Donc voilà, je vous en remercie. Allez, je passe l'intro et on démarre tout de suite. Alors pour commencer, il y a une chose qui est très importante de faire, de mon point de vue, c'est d'aller sur TradingView, aller chercher l'indice en fonction de la plateforme où vous allez trader. Par exemple, si vous allez trader sur Binance, c'est cet exemple que je vais faire. Il y a plein de plateformes, vous utilisez celle que vous voulez. Vous allez pouvoir, par exemple, marquer Binance USDT, vous rajoutez un P. Donc là, vous allez avoir l'indice du Bitcoin face au dollar sur les contrats perpétuels. Et vous allez avoir donc les bons prix en temps réel de la plateforme Binance, vraiment. Donc du coup, c'est mieux parce que si jamais il y a des bougies, des mèches de liquidation qui apparaissent sur ce graphique, eh ben, ça sera vraiment en temps réel, vous saurez exactement ce qui se passe sur votre portefeuille en fonction de ce qui se passe sur ce cours. Sur le spot, il peut y avoir des mèches différentes, des prix qui ne vont pas exactement au même endroit. Donc c'est bien d'avoir un graphique qui correspond vraiment à la plateforme que vous tradez. Ça, c'est le premier point. Alors, je vais vous parler un petit peu de la notion de trading et des différents types de trading qui existent. Par la suite, je vais vous montrer un tableau qui va permettre en fait de pouvoir un petit peu gérer les leviers, le risk management et savoir un petit peu comment est-ce qu'on prend ses trades, quel risque on prend, savoir exactement combien on va perdre si le stop est touché. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir combien on va perdre si le stop est touché, parce que les gains finalement c'est pas qu'on s'en fiche, c'est bien d'avoir un ratio de 3 pour 1, de 4 pour 1, de 5 pour 1, mais ce qui est très important de savoir, c'est ce que vous risquez. Et une fois que vous avez compris cette notion et que vous savez que vous risquez une certaine somme et que ça représente par exemple 1% de votre portefeuille de trading, vous êtes tranquille. Si vous perdez le trade, c'est pas grave, parce que vous allez en perdre probablement beaucoup si vous vous lancez là-dedans, et vous allez également en gagner un certain nombre. Et si vous en gagnez, alors pas forcément plus que ce que vous en perdez, mais si vous en gagnez une certaine partie, bah vous pouvez finalement être en positif et c'est ça qui est important. Par exemple, si vous prenez un risk reward de 2 pour 1 à chaque fois que vous tradez, c'est-à-dire que quand vous gagnez, vous allez gagner 20 euros, quand vous perdez, vous allez perdre 10 euros. Ça, c'est des chiffres que j'ai donnés au pif. On va dire que 10 euros, ça correspond à 1% de votre portefeuille si vous avez 1000 euros pour trader. Donc voilà, vous prenez 1% de risque à chaque fois. Eh bien, en fait, il va falloir que vous gagniez plus que 33% des trades que vous faites
pour être en positif. Parce que quand vous gagnez plus que quand vous perdez. Donc finalement, si vous perdez 10 euros et que vous gagnez 20 euros, si vous gagnez 2 trades, vous avez gagné 40 euros. Si vous en perdez 2, vous avez perdu 20 euros. Donc vous êtes en gain. Si vous faites 50% de réussite, vous êtes en gain. Donc voilà, ça dépend un petit peu du risque-reward que vous envisagez, etc. Et vous allez pouvoir calculer le pourcentage de trades réussis pour pouvoir être en positif. Alors j'espère que déjà, je ne vous ai pas trop embrouillé, mais voilà. Vous allez pouvoir, en fait, quand vous allez faire un trade, vous allez dire par exemple, alors ça c'est vraiment un exemple que je fais comme ça au pif, hein. Ici il y a, alors on va se mettre comme ceci. Ici il y a une résistance, donc on estime que le prix peut descendre plus bas. On va dire que si on fait un range entre ces niveaux-là et ces niveaux-là, on va prendre un trade. Allez, ça c'est un petit trade un petit peu comme ça que j'analyse très très rapidement simplement pour vous montrer un petit peu sur l'exemple. Donc on va vendre, donc c'est ça qui est bien sur les contrats dérivés, c'est qu'on va pouvoir vendre. Donc on va vendre à ce prix-là, voilà. On va se mettre son stop un petit peu au-dessus des mèches qui sont là, donc elle est à 4% par rapport du marché par rapport au prix du Bitcoin, et on va mettre son take profit par ici, voilà. Ça c'est un exemple de trade. Vous avez un risque reward, regardez, c'est écrit ici de 3,41. Donc si vous perdez là, si vous prenez un risque de 10 euros, vous pouvez potentiellement gagner 34 euros. Donc c'est un trade finalement, vous pouvez vous permettre des trades comme ça, d'en perdre 3 sur 4 et vous n'êtes quand même pas en négatif. Donc voilà, c'est un bon risk-reward. Donc après on va voir un petit peu, hein, dans le futur, là je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui parce que je ne vais pas faire des vidéos de 3 heures, mais en gros dans le futur on va voir un petit peu finalement les take profit. Donc ça, take profit c'est quand on prend son argent et qu'on a gagné le trade, et stop loss c'est quand finalement ça touche le stop et qu'on a perdu le trade. On va voir un petit peu les take profit partiels, c'est-à-dire qu'on va pouvoir un petit peu prendre de l'argent ici, 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 acheter, enfin finalement racheter sa position sur plusieurs paliers pour être sûr, par exemple si le cours fait ça, vous voyez. Il vient ici et finalement il vient toucher le stop. Et bien comme ça au moins vous n'avez pas perdu d'argent. C'est-à-dire que là vous avez pris votre premier profit. Et si on touche ici, finalement ça compense l'argent que vous avez gagné ici. Ça le compense avec ce. Donc ça vous permet de ne pas perdre d'argent finalement et de sécuriser le trade. Ça, c'est des notions qu'on verra dans le futur, dans d'autres vidéos. Et dans le tableau que je fais, il y a un calcul qui va permettre de savoir exactement combien vous devez vendre de votre position à quel prix pour pouvoir sécuriser votre trade. Par exemple, si vous voulez mettre votre take profit ici, et bah grâce au tableau, vous allez pouvoir savoir combien il faut que je revende, enfin que je rachète ma position pour pas perdre d'argent si jamais on va toucher le stop par la suite. Mais ça, c'est pareil, on le verra dans d'autres vidéos, tout simplement. Alors je me rends compte que j'ai déjà abordé pas mal de notions dont je voulais parler par la suite, donc tant mieux. Mais donc voilà, je voulais vous. La deuxième notion, c'était les plateformes que l'on peut utiliser. Moi, je vais faire tout cet exemple sur Binance. C'est pas, je fais pas de publicité pour Binance. Attention, hein, il y en a plein qui sont vachement bien également. Il y a Femex, il y a BitMEX, il y a OKEX, il y a. Ça finit tout par X d'ailleurs. Il y a KuCoin aussi qui fait des contrats dérivés. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc en fait, vous pouvez utiliser celles que vous voulez. Moi, je prends Binance car les frais sont intéressants. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être les frais les plus intéressants, c'est pour ça que je l'utilise. Vous avez certaines plateformes qui vous offrent, par exemple Femex, je crois, qui vous offre 60 euros de frais gratuits avec un lien de parrainage, etc. C'est intéressant également. Chacun fait un petit peu comme il veut, mais moi j'aime bien Binance également parce qu'il y a énormément de crypto-monnaies que l'on peut shorter. C'est-à-dire sur Binance Futur, vous en avez quand même beaucoup. Regardez ici. Ils en rajoutent souvent et donc vous pouvez un petit peu trader sur les crypto-monnaies qui vous plaît. Ah, le Bitcoin est en train de monter, regardez, on est à 19 550. On verra ce qui va se passer. Est-ce qu'on va passer cette résistance des 19 600? C'est à voir. Je m'égare, mais bon, c'est difficile de faire une vidéo quand on voit, regardez, ben voilà, hein, il est à 19 640 déjà, il nous fait, ça y est, il nous a cassé un petit peu cette résistance. À voir jusqu'où on va grimper, est-ce qu'on va casser cette barre des 20 000? C'est la question que je me pose et on verra. Alors, on continue. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des plateformes sur lesquelles on peut shorter. Donc, c'est l'avantage, c'est que soit vous allez trader sur le spot de façon générale, et là vous allez simplement acheter et vous allez pouvoir vendre plus cher, soit vous allez sur les contrats dérivés. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vendre et que vous allez pouvoir donc trader sur un mouvement baissier. Donc par exemple, si vous prenez le trade ici et que vous rachetez votre position ici, vous allez gagner 34 euros. Si vous avez 1000 euros pour trader, etc., bah votre portefeuille va passer à 1034. Donc voilà, c'est tout bénef. Et c'est l'avantage de pouvoir jouer un petit peu sur des mouvements baissiers également du marché. Comme ça, on peut faire du trading comme on souhaite. Alors, je retourne sur Binance et là, je vais vous parler des leviers. Donc l'avantage aussi également sur ces plateformes. Avantage et inconvénient à la fois, parce que si on est très très novice et qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas comment ça marche, on peut perdre énormément d'argent très rapidement sans rien comprendre à ce qui nous arrive. Mais peu importe, je vous montre. Donc vous avez ici des leviers.
Qu'est-ce que c'est un levier? Vous pouvez trader avec un levier de 1. C'est-à-dire que là, si vous voulez vendre 1000 euros de Bitcoin, il va falloir que vous ayez 1000 euros sur votre compte. En revanche, si vous... Bon, alors c'est resté sur 20. Si vous tradez avec un levier de 20, et bien avec 1000 euros, si vous voulez, vous allez pouvoir acheter 20 000 euros ou vendre 20 000 euros de Bitcoin alors que vous n'en avez que 1000. Et c'est ça qui est quand même impressionnant. Alors, c'est bien d'utiliser le levier. Moi, je reste sur 20, mais j'achète vraiment le nombre de Bitcoin donc en fonction de ce que je veux acheter ou vendre. Mais finalement, c'est intéressant d'utiliser le levier, mais il faut vraiment pas en abuser parce que ce qui est important, c'est de calculer son risque. Voilà. Peu importe le levier, peu importe ce que vous faites, c'est de calculer le risque que vous prenez. Des fois, vous allez peut-être avoir besoin d'acheter... si vous faites, par exemple, du trade sur des bougies hebdomadaires, donc vous jouez sur des mouvements énormes du Bitcoin. Et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir en effet utiliser des leviers de 1. Voilà, vous n'allez pas prendre des leviers importants. En revanche, si vous tradez sur du 1 minute et que vous voulez faire du scalping, du trading sur 1 minute, etc., ça peut être intéressant d'utiliser les leviers. Parce que vous allez mettre un stop très serré, par exemple à 0,5% de la valeur du Bitcoin. Et donc là, vu que vous allez mettre un stop très serré, il va falloir que vous achetez une grosse quantité de Bitcoin. Finalement, même pour perdre que 20 euros, parce que ça va être un tout petit mouvement du Bitcoin, pour perdre 20 euros, il va falloir que vous en achetez énormément. Donc du coup, c'est là où les leviers peuvent être intéressants. C'est quand vous tradez sur du très très court terme. Même sur du 15 minutes, du 5 minutes, vous allez peut-être des fois finalement avoir la nécessité... d'utiliser les leviers. Moi, je reste toujours sur 20 de toute façon et je calcule le nombre de Bitcoin que j'achète, peu importe le levier finalement. Je vais vous expliquer ça, tout ça avec le tableau dès maintenant. D'ailleurs, on va passer sur le tableau directement. Alors, juste avant le tableau, il y a juste une dernière chose dont je vais parler par rapport au risque du levier justement. Donc, je vais essayer de parler que en dollars. Des fois, je parle en dollars, en euros, on s'en fiche. Peu importe, en fait, si je me trompe, c'est pas grave. En fait, on va estimer que c'est que des dollars. Hein. Vous allez mettre 1000 USDT sur le compte Binance. Et vous allez acheter un bitcoin avec. Vous pouvez puisque vous allez utiliser un levier 20. Donc vous allez acheter un bitcoin avec. Parce que vous allez acheter 20 000 dollars de bitcoin. Il est à peu près à 20 000 dollars actuellement. Si jamais le bitcoin perd de sa valeur et qu'il descend à 19 000 dollars, vous allez vous faire liquider. Pourquoi ? Parce que votre portefeuille va passer de 20 000 dollars à 19 000 dollars. Or, vous, sur votre plateforme, vous n'avez que 1000 dollars. Donc la position va se clôturer automatiquement par la plateforme et vous allez perdre vos 1000 dollars. Voilà, c'est ça le levier. C'est que vous, si vous voulez prendre le risque d'acheter beaucoup, beaucoup de bitcoin avec seulement 1000 dollars, donc avec un levier 20, voilà, vous allez vous faire liquider au bout de 4%, le marché perd 4%, vous perdez vos USDT, vous avez compris l'idée. Si vous le faites avec un levier 100, vous imaginez, hein, il suffit que le Bitcoin perde 300 dollars, même pas 200 dollars, et vous avez perdu vos 1000 dollars. Donc c'est très très risqué de trader avec du levier. Voilà, c'est juste ça dont je voulais parler. On va enchaîner directement avec le tableau, je vous montre comment je fais et je vais vous faire un petit exemple de trade. Alors c'est parti, voici le petit tableau. Alors les cases vertes, c'est les cases qu'on va pouvoir remplir. Ici, vous allez mettre le prix du BTC, du Bitcoin, à sa valeur actuelle. Si vous pouvez le faire avec d'autres cryptos, hein, il va simplement falloir changer un petit peu les valeurs, mais ça va fonctionner également, hein, a priori, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez un capital de départ de 1000 euros. Alors, je parle en dollars, pardon. Vous avez un capital de départ de 1000 USDT. On va rajouter ici USDT. Vous allez risquer, donc vous savez que vous voulez risquer à chaque trade 1%. Vous pouvez mettre 2 ici, si vous voulez, vous mettez 2%. Vous mettez ici 2%, et voilà, regardez, on est passé à 20 euros de risque pour chaque trade. Dollars, excusez-moi. Donc ensuite, ici, vous allez retrouver le stop loss, le take profit. Donc voilà, si vous êtes sur votre trade, allez, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous allez prendre ce trade là, donc on va dire qu'on passe en position à 19 450, on met son stop loss à 20 240, donc on y va, donc 19 450, le stop loss à 20 240, vous mettez le prix du Bitcoin actuel, là vous, si vous n'êtes pas à 500 dollars près, hein, ça ne va pas changer les calculs, hein, vraiment, c'est en fait ça permet de calculer les gains et les pertes par tranche de 100 dollars, enfin c'est un petit peu plus complexe, mais vous pouvez le mettre à peu près le prix du Bitcoin, ça marchera très bien. Et là vous allez mettre votre take profit pour finir, aux alentours des 16 700 dollars. Donc on retourne là-dessus et vous mettez donc votre take profit à 16 700 dollars. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez donc ici la valeur où vous avez acheté ou vendu, ça dépend si vous êtes en short ou en long. Là c'est votre stop loss et là votre take profit. Vous allez remplir seulement les cases qui sont vertes sur ce tableau, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis du vert. Celle-ci oui, vous pouvez changer le levier également, moi je le laisse toujours à 20. Vous allez ensuite donc voir que là,
Avec ce trade-là, donc vous avez acheté à ce prix-là, vous mettez votre stop-loss ici et votre take-profit ici, vous allez risquer de perdre, alors je vais mettre ça en gras également, vous risquez de perdre 91$ si vous en achetez ce prix-là. Donc il va falloir adapter un petit peu ces deux cases-là, enfin cette case-là principalement, pour pouvoir risquer que 20$. Donc combien il faut que j'achète de Bitcoin avec un levier 20 pour risquer que 20$? C'est la question qu'on se pose. Et du coup, bon, on va essayer des chiffres. Hein. Moi, j'ai pas fait. Alors, malheureusement, j'aurais pu adapter le tableau pour trouver directement la bonne valeur, etc. Je l'ai pas fait, peu importe. Donc, si je mets 20, voilà, ici, on a 24$. Donc, si je mets 17, voilà, on a 20$ de risque environ si on achète 17$ de Bitcoin en levier 20. Donc, en fait, ce qui correspond à 17 fois 20, 340$ de Bitcoin. Donc, il faut qu'on passe un ordre avec 0,017 Bitcoin, tout simplement, pour ouvrir ce trade. Voilà, tout simplement. Et quand vous allez ouvrir ce trade, vous savez que vous allez mettre votre stop loss automatiquement sur la plateforme. Je vais vous montrer après comment ça marche. Hein. Vous allez pouvoir mettre votre stop loss automatiquement à ce prix-là. Et vous savez que si on vient le toucher, vous allez perdre 20$. Et si on vient toucher le take profit, vous allez gagner 72$. Tout simplement. Voilà. Vous savez où vous en êtes et ce que vous faites. C'est ça qui est important avec ce tableau. Ensuite, vous allez pouvoir vous faire un autre tableau avec tous les trades que vous avez passés, le ratio, est-ce que vous êtes en gain, en perte, vos conditions psychologiques. Enfin, c'est tout un. Ensuite, le trading, c'est quand même compliqué et il y a plein d'aspects qu'on peut mettre en place derrière pour ça. Voilà, donc là, c'est ça qui est important de voir sur ce tableau, c'est de pouvoir prendre ses trades en toute sécurité. On sait combien on risque, on sait combien on peut gagner. Et cette ligne-là, je l'expliquerai dans d'autres vidéos. Voilà pour ça. Alors, il ne faut pas prendre en compte les moins là qu'il y a sur le tableau. En vrai, alors là, du coup, j'avais fait un truc pour long et short, mais là, ça, en fait, je le supprime. Peu importe, que ce soit moins ou que ce soit négatif ou positif, c'est la valeur qui compte. Parce que finalement, moi, si vous allez faire un long, là, ça va s'afficher donc avec un plus. Si vous faites un short, ça va s'afficher avec des moins. Mais peu importe, hein, voilà, vous savez ce que vous gagnez, ce que vous risquez. Simplement, il faut prendre en compte la valeur. Voilà, je ne vous perds pas plus. On continue alors maintenant avec Binance. Et je vais vous montrer comment prendre un trade. Alors, je vais peut-être pas le faire pour de vrai. Là, je suis sur un autre compte que j'ai. Et du coup, il n'y a pas d'USDT sur la plateforme. Et j'ai un petit peu la flemme d'en mettre, pour être honnête avec vous. Et en plus, il faut que je transforme mes USDC en USDT. Enfin, bref, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir faire l'exemple. Donc là, on est en levier 20. On va reprendre l'exemple de ce trade-là. On sait qu'on doit vendre 0,017 Bitcoin. Alors, normalement, c'était sur un prix plus bas. D'ailleurs, peut-être que le stop a même été touché. Non, pas encore. Hein. Mais peu importe. Donc, c'est pour vous montrer. Donc voilà, imaginez que vous allez vendre 0,017. Alors, c'était 0,017 Bitcoin. Alors, c'était 0,017 4. Il y en a un 4 après. Voilà, bon, on peut même pas le mettre. Le 4, c'est tellement des chiffres un petit peu insignifiants derrière qu'on peut pas le mettre. Alors, vous mettez 0,017 et vous allez donc le vendre. Alors là, vous allez pouvoir mettre un ordre. Là, je suis sur un ordre. Si vous le faire au prix du marché, vous pouvez. Donc là, vous allez directement vendre 0,017 et là, hop, vous cliquez sur sell et là, vous allez vendre. Finalement, vous allez vendre du Bitcoin que vous n'avez pas. Et ça va vous prendre sur votre compte qui donc à 1000 USDT, ça va vous en prendre seulement 17. Vous allez voir, ça va vous retirer que 17. Simplement parce que vous allez le faire avec un levier 20. Et donc vous allez donc en réalité en vendre 340$, mais vous verrez apparaître que 17 en moins sur votre compte. Ce qui est logique, c'est comme ça que ça se passe quand on trade avec du levier. Là, c'est si vous le faites au marché, ça va être comme ça. Si vous le faites donc en limite, donc par exemple, vous pouvez faire un trade, hein, admettons que bah voilà, hein, le prix, admettons qu'on soit plus bas et vous dites, bah voilà, dès que ça touche cette ligne-là, bah, je veux vendre, et ben bah, vous allez mettre par exemple, je veux donc quand on sera sur les 19 450, donc 19, c'est comme sur le spot là, hein, 19 450, à ce prix-là, je veux vendre 0,017 Bitcoin. Voilà. Et en plus, je voudrais, si cet ordre passe, je voudrais ajouter un take profit, un stop loss. Bah là, voilà, vous mettez votre take profit que vous avez ici, votre stop loss que vous avez ici, donc 16 700 et 20 240. Donc le take profit, ça va être 16 700 et 20 240, voilà, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir faire donc mettre votre ordre. Alors, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas d'USDT du coup. Vous allez pouvoir mettre votre ordre et si jamais bah, le cours revient sur ce niveau-là, bim, ça le déclenche, vous voyez? Donc c'est là tout l'intérêt et vous avez rien à faire après, hein. Si votre trade est gagnant, aussi bien vous allez même pas le savoir, vous pouvez partir 2 jours en vacances. De toute façon, vous avez votre stop loss qui va être mis en place. Donc si ça le touche, vous allez perdre vos 20$ et terminé quoi. Et si vous gagnez, vous allez gagner 71$ et terminé. Vous savez que vous risquez pas plus ni moins et vous sécurisez votre trade simplement en mettant votre stop loss et votre take profit
en avance. Et ça, vous allez pouvoir le faire sur toutes les crypto-monnaies. Vous allez pouvoir analyser beaucoup de graphiques, acheter, vendre, machin, faire du trading pur. Et vous allez, moi, ce que je dirais, c'est en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je garde par exemple 1 000 $ pour faire du trading. Donc voilà, ça, c'est juste pour m'amuser parce que c'est très difficile et généralement, je gagne pas forcément énormément d'argent avec ça. Et j'ai ma partie investissement avec l'argent que je fais juste pour acheter, holder des cryptos, donc les garder sur du long terme, etc. Ça, c'est probablement plus rentable et c'est vachement plus facile à faire. Mais je voulais quand même intégrer cette notion de trading sur la chaîne et je suis ravi de partager également ça avec vous. Et tous les mercredis, on va essayer de voir un petit peu, d'analyser des graphiques, de regarder où est-ce qu'on peut faire des trades. Je reparlerai avec vous un petit peu de ce tableau, etc. Voilà, donc n'hésitez pas, demandez-le moi par email si vous le voulez, je vous l'enverrai volontiers. Voilà, n'hésitez pas également à passer par mes liens de parrainage pour Binance. J'en ai fini avec cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nouveau à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et écoutez, on se retrouve dès demain pour l'exemple du portefeuille fictif. Ce sont les vidéos du jeudi. Salut tout le monde !